Malaria, pneumonia, and diarrhea are the main killers of children globally, accounting for 40% of all deaths among children under 5 years of age. In certain countries in sub-Saharan Africa, the relative importance of these killers is higher still. In Mali and Niger, for example, malaria, pneumonia, and diarrhea cause 60% of child deaths. Presque ça, c'est des maladies qu'on trouve chaque jour à des degrés différents. This is why UNICEF and the Canadian International Development Agency are supporting Niger's Ministry of Health to deliver integrated community case management of malaria, pneumonia, diarrhea, and acute malnutrition. This strategy, also known as ICCM, uses trained, supervised community health workers living in communities without access to medical facilities to deliver life-saving health services to the children who need them the most. Il s'appelle Mokhtar Sani et il a 5 ans. Moi, je m'appelle Balakibo. Je suis agent de santé communautaire et je suis là depuis 2005 dans cette case. C'est moi qui ai ouvert ça. Il était tombé du palu. On l'avait amené au centre de santé. Ces cases sont tenues par un agent de santé communautaire choisi par sa communauté, formé par le secteur de la santé. Donc je l'ai traité correctement à la piscine communautaire. Et après 3 jours, il est guéri. Et maintenant, c'est la preuve, le voilà maintenant. Et tout va bien maintenant. En fait, ces cases de santé, elles touchent, elles couvrent quelle population? Ces cases de santé, c'est les unités les plus périphériques du système de santé. Donc, elles touchent qui? Elles touchent les populations les plus enclavées, celles qui sont les plus éloignées des grandes villes et des CSI. Et donc, c'est aussi les plus pauvres. C'est une traduction concrète de l'équité. Atteindre les plus pauvres, atteindre les plus déshérités. Il y a les SSP, les soins de santé primaire, qui nous dispensons dans nos centres de santé. Et comme je vous l'ai dit auparavant, et si le problème dépasse les compétences de la gens de cadre de santé, il est obligé de référer dans un CSI de rattachement ou dans un CSI en tout cas qui convient. Par rapport à la crise piscine communautaire, vraiment il y a une nette amélioration. Comme tous les cas de santé, ils sont formés en piscine communautaire. Dès qu'ils ont un cas grave, ils réfèrent ici au niveau du CSI. Ça évite la mortalité infantile des enfants 0-5 ans. Saboda da dai kamun likita ta samu dan malke tun daga nan sai mun dauka komin mazadu ko komin haka sarkin amma amma yanzu likita an kawo mun ita kusa ko wanda da lokalni inda ya samu ba da lahiya in ya dauka daga nan ya ta likita in aka yi mai aiki ko sai da ta wata. A clear focus on effective strategies such as ICCM to deliver life-saving health services in rural and remote communities has contributed to a 34% decrease in the number of child deaths in Niger annually.
Parce que ça me motive. Je suis fait comme ça et c'est peut-être c'est mon concept qui est comme ça. Vous savez, en brousse, pour un travail de santé, ici en brousse, c'est un travail qui se fait même la nuit. On vous réveille à 2h du matin, à 3h du matin. Parfois, vous pouvez faire une nuit blanche. Mais ça me dit, mais moi, j'aime ça. J'aime qu'on vienne vers moi pour demander, en tout cas, une aide que je sais que je suis capable de donner à la personne. C'est pourquoi vraiment, à chaque fois, moi, je veux travailler. C'est le travail que je veux ici. Je ferai vraiment presque la moitié des financements que nous recevons au niveau de la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant vient de l'UNICEF à travers ces formations des agents de santé communautaire, l'appui en médicaments, en matériel, le suivi aussi des agents de santé formés.